Alors que l'organisateur de l'apéro géant à Périgueux semble avoir baissé les bras, la mairie de Bergerac a dit oui pour l'organisation de cette manifestation. Le parc des expositions de Piquecailloux accueillera bien l'apéro géant de Bergerac. Une décision prise officiellement après des semaines de négociations. Les organisateurs ont été obligés de respecter les consignes de sécurité imposées pour ce genre d'accueil. Il y aura deux agents de sécurité de chaque côté, puis 10 agents de sécurité avec 2 maîtres chiens qui seront sur le site entier. Donc on a une partie couverte s'il pleut, et une partie avec de la pelouse pour que les gens puissent s'amuser. Et donc là, c'est là qu'on a prévu des animations sportives, ballon, pétanque, parce qu'on est vraiment sur un terrain adapté. Il y a des paniers de basket, il y a de tout. Donc ici, on peut s'amuser tranquillement et sécurisé. Pour réaliser ce projet, les organisateurs se sont associés au Bergerac Foot. L'association apportera sa caution morale, ses compétences et l'argent nécessaire pour organiser la sécurité. Les 2000 euros du club permettront de financer aussi la Croix-Rouge qui sera présente sur le site. Pour le Bergerac Foot, cet apéro s'inscrit dans la philosophie de leur projet associatif. Je fais partie de ceux qui pensent qu'un club sportif doit être complètement inséré dans son environnement social, culturel, et que justement c'est une occasion pour dépenser à toutes les couches de la population, et là en l'occurrence les jeunes qui se mobilisent fortement pour cette opération. Des navettes relieront le centre-ville au parc des expositions. Des associations de prévention contre les toxicomanies seront aussi sur place. Pour le moment, 900 personnes se sont inscrites sur le site. Le rendez-vous est fixé au 4 juillet à partir de 18h30.